أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا نعدهم أجمعين Donc, Fariti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet historique et d'actualité. Aujourd'hui, dès qu'on parle d'islam, on nous dit que l'islam est une religion sanguinaire. On leur demande pourquoi. Ils nous disent, écoutez, l'islam, aujourd'hui, est derrière chaque attentat terroriste contre les non-musulmans. Ok, on accepte. Deuxièmement, l'islam, à travers l'histoire, n'a fait que des guerres. On accepte. Troisièmement, et cette troisième preuve, on va y arriver. Pour les attentats terroristes, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On leur dit directement, écoutez, faites bien la différence entre chiites et sunnites. Ceux qui font des attentats terroristes ne sont pas des chiites. Je ne prétends pas que ce sont des sunnites, mais ce ne sont pas des chiites. Et n'oubliez pas que les premières victimes des attentats terroristes, que ce soit dans le Moyen-Orient ou dans l'Extrême-Orient, c'est toujours les chiites. Si on regarde en Irak, si on regarde en Afghanistan, si on regarde au Yémen, au Pakistan, partout où les terroristes sont répandus, qui sont les premières victimes? C'est toujours les chiites. Là, il y a 2-3 mois, très récemment, des jeunes filles afghanes ont été tuées dans leur école. Plusieurs dizaines de jeunes filles de moins de 9 ans ont été tuées dans leurs écoles. Pourquoi? Est-ce qu'elles avaient provoqué la guerre? Est-ce qu'elles avaient bafoué les lois de l'islam? Non, juste parce qu'elles sont chiites. Partout en Irak, en Iran, partout dans le Moyen-Orient, dans le monde entier. Les premières victimes des attentats terroristes sont toujours les chiites. Donc, quand on parle d'attentats terroristes, il faut faire la part des choses. Deuxièmement, ils nous disent qu'à travers l'histoire, surtout après l'époque du Saint-Prophète, il n'y a eu que des guerres sanguinaires. Là aussi, une fois de plus, on le dit, que si le conseil et le testament du Saint-Prophète a été respecté et que la loi avait été respectée, si le calife qui a été désigné par le Saint-Prophète aurait gouverné, ça ne serait pas le cas. Imam Ali Aïwahoud, si ça aurait été l'imam Ali alayhi salatu wassalam qui a pris le gouvernement après le Saint-Prophète, il n'y aurait pas eu ce genre de guerre. On le dit très clairement. Ce sont les autres qui ont pris la place du Saint-Prophète injustement qui ont provoqué ces guerres-là. Donc on se dédouane une fois de plus. Mais il y a une des preuves qu'ils nous citent, là où on ne peut plus rien dire. Ils nous disent, ok, vous n'acceptez pas que les attentats terroristes viennent de vous. Vous n'acceptez pas que les guerres qui ont eu lors des premiers temps de l'islam, à part l'époque du Saint-Prophète, ça vient de vous. Vous êtes des lâches. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? À l'époque du Saint-Prophète, n'y a-t-il pas eu plusieurs dizaines de guerres? C'est là que leur preuve vient nous piquer. Ils nous disent, votre prophète, il a gouverné pendant 10 ans seulement. En 10 ans, il y a eu plusieurs dizaines de guerres. Si on compte toutes les guerres, les petites et les grandes guerres, il y a eu à peu près 80 guerres en 10 ans. Donc à peu près chaque un mois et demi, il y avait une guerre, en moyenne. Le prophète a combattu tous ceux qui ont vécu à son époque, que ce soit les Arabes de Quraysh, que ce soit les Juifs ou les chrétiens, toutes les personnes qui vivaient à l'époque du Saint-Prophète, mon PowerPoint m'a lâché. Ok, ah, je vois. Ok.
que ce soit les Quraishites, les Juifs et les Chrétiens, tous ont été combattus par le saint prophète. Là, qu'est-ce que vous avez à dire? Ne dites-vous pas que votre prophète, c'est le prophète à tous, qu'il soit chiite ou sunnite. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? Donc là, nous devons leur poser une question et nous poser nous-mêmes une question à travers les récits historiques et les textes historiques que nous avons. Donc la première question qui se pose, c'est que les guerres du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient-elles défensives ou offensives? Que veut dire défensive et offensive? Bien sûr, on le connaît, mais une petite précision. Donc, une guerre offensive, c'est une action stratégique d'une force armée destinée à imposer l'ennemi sa volonté, à le chasser de ses positions ou à le détruire. Donc, aujourd'hui, si par exemple, on gouverne un pays, le prophète a un pays à gouverner, et il voit que dans le pays d'à côté, par exemple, il y a des personnes qu'il n'aime pas, ou bien il y a des terres qu'il convoite, il y a des richesses qu'il veut pour lui, et donc là, il va attaquer ce pays-là. Et cette guerre-là sera offensive parce qu'il n'y a rien qui justifie légalement cette guerre. Rien que le fait qu'il veut les terres et les richesses du pays d'à côté. Et plusieurs autres exemples qu'on peut donner. Donc ça, c'est une guerre offensive. Qu'est-ce qu'une guerre défensive? Donc la guerre défensive, premièrement, c'est quand les ennemis nous attaquent et que nous nous défendons. Ça, c'est l'image la plus simple d'une guerre défensive. On est dans notre pays, on n'a rien provoqué, et les ennemis arrivent et nous attaquent. Donc là, si on entre en guerre, ce sera pour nous défendre, légitime défense. Donc, est-ce que le Saint-Coran a parlé de ce genre de guerre? Bien sûr, il y a ce verset-là, Bismillahir Rahmanir Rahim, Udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé, entre parenthèses, aux croyants de riposter, de se défendre contre ceux qui les attaquent, parce qu'ils sont vraiment lésés, parce que les mu'mines sont opprimés. Et Allah est certes capable de les secourir. Dans le Saint-Coran, ce verset-là nous montre clairement qu'il y a eu des guerres durant l'époque du Saint-Prophète qui étaient des guerres défensives. Ça veut dire que les mécréants, les ennemis, pas forcément des mécréants, mais des ennemis, attaquaient le Saint-Prophète et le Saint-Prophète ne répondait pas en premier lieu. Il patientait jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'autorisation de riposter et de se défendre. La deuxième catégorie de guerres défensives, ce sont les guerres qui sont des réponses à une menace directe. Logiquement, que ce soit dans la logique, que ce soit dans la religion ou dans les lois d'aujourd'hui, si vous savez qu'un pays est en train de se préparer à entrer en guerre contre vous, il est en train de rassembler ses armées pour vous attaquer. Un pays qui est souverain de soi-même va-t-il attendre que l'autre pays attaque ou pas? Parce que comme le dit le fameux dicton, la meilleure des défenses, c'est d'attaquer ou l'attaque. Je sais que, par exemple, je vais créer des noms de pays pour ne pas faire de problème. Je suis dans un pays qui s'appelle Krujaland. Ok? Et l'autre pays, Horaland, veut nous attaquer. Et donc, il est en train de préparer ses armées, les armes, etc. Et nous, on va les prendre par surprise. Pourquoi? Pour ne pas que les guerres viennent sur nos terres à nous. Et c'est de là que l'imam Ali, alayhi salatu wassalam, dit dans son Nahjul Balagha, il dit « Attaquez-les avant qu'ils ne vous attaquent. Par Allah, aucun peuple n'a jamais été attaqué chez lui sans être humilié. Si vous restez passif et hésitant,
les attaques vous épuiseront et vous perdrez vos terres. Avant que les ennemis entrent dans nos terres et ravagent tout sur leur passage, nous commençons la guerre parce que justement nous savons qu'ils sont en train de préparer la guerre. Donc là, ceux qui ont commencé la guerre, c'est nous. C'est le prophète, par exemple, qui a commencé la guerre. Mais est-ce que parce qu'il a commencé la guerre, c'est lui qui a mené l'attaque, la première attaque? Est-ce que c'est une guerre offensive? Légalement, religieusement parlant et logiquement parlant, non, c'est encore une guerre défensive. Et enfin, la troisième catégorie de guerre défensive, c'est la défense d'un peuple opprimé contre l'envahisseur. Je sais qu'il y a un peuple qui est faible, qui n'a pas d'armes pour se défendre et qui est opprimé et tué et massacré par des ennemis. Ils n'ont rien pour se défendre. Quelle est la position de l'islam sur ce genre de cas? Dans ce genre de cas, l'islam nous dit clairement, écoutez, vous voyez que ce sont des gens opprimés, personne ne vient à leur aide. Donc là, vous avez l'autorisation d'aller combattre pour les défendre, pour éloigner les ennemis. Et c'est de là que le verset du Saint-Coran a été révélé. Il dit « وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ » Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles ? Hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secoureur. » Ce verset-là a été révélé au Saint-Prophète parce qu'un groupe de musulmans qui habitait encore à la Mecque se faisait persécuter. Le prophète était déjà à Médina. Le groupe de musulmans se faisait persécuter. Ils se faisaient voler leurs biens, leurs femmes et leurs enfants, on les prenait comme esclaves et leurs hommes se faisaient tuer. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset pour dire au Saint-Prophète d'aller défendre ce groupe de musulmans qui est opprimé. Concrètement parlant, ce n'est pas sur la terre du Saint-Prophète, ce n'est pas sur l'endroit où le prophète gouverne que ces oppressions sont faites, non. Mais c'est pour défendre ce groupe de personnes qui est opprimé et qui n'a personne pour les défendre. Maintenant, donc, avant de répondre à notre première question, est-ce que les guerres du Saint-Prophète étaient offensives ou défensives? Nous devons faire certaines précisions quant à l'analyse des sujets, des textes historiques que nous avons concernant l'histoire du Saint-Prophète. Il faut d'abord se rendre compte que les textes historiques ne sont pas tous des textes fiables. Je m'explique. Quelquefois, ceux qui écrivent l'histoire sont influencés par le gouvernement qui les utilise. On a l'exemple de Tabari qui est un des plus grands historiens de l'islam. Tabari était quelqu'un qui travaillait sous le gouvernement des Abbasides. Il était le scribe du califat Abbasi. Alors, quand il écrit l'histoire, non seulement il va prendre ses propres convictions en compte, il va aussi prendre en compte les directives que lui donne le gouvernement. Et donc, à partir de là, il faut savoir prioriser les textes authentiques aux textes historiques. Un exemple d'histoire. Lors de la guerre de Bani Qurayza, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette guerre, c'était une guerre contre les Juifs. La guerre contre les Bani Qurayza. Quand on regarde les textes historiques, on voit que le Saint-Prophète a tué tous les hommes de cette tribu, les Bani Qurayza. C'est ce qui est écrit dans l'histoire. Or, quand on regarde le Coran, on nous dit dans un verset, que le Saint-Prophète en a combattu une partie et a pris comme prisonnier une autre partie qui ne voulait pas se soumettre. Je ne veux pas dire n'importe quoi, une partie a été combattue et une partie de ses hommes ont été pris comme prisonniers.
Donc là, on a clairement l'exemple qui nous dit qu'il faut prioriser les textes authentiques, donc le Saint-Coran, les hadiths authentiques, par rapport aux textes historiques. Si on se base que sur les textes historiques, on peut voir tout et n'importe quoi. Ça, c'est la première précision. Deuxième précision, ceux qui écrivaient des guerres, ceux qui écrivaient l'histoire des guerres, se basaient sur les récits épiques, sur les récits qui font que la guerre devienne un récit comptable, un récit qu'on puisse raconter aux autres. Par exemple, quand on regarde dans l'histoire, nous n'allons pas voir les contextes d'une guerre. Nous allons plus voir quel était le nombre d'armées du Saint-Prophète, le nombre de l'armée des ennemis, qui a combattu qui, comment est-ce qu'il a levé l'épée, C'est pour que ça donne une belle image. Mais est-ce que les contextes et les coulisses de cette guerre, justement, ont été cités? Très, très peu. Pourquoi cela? Parce que ceux qui écrivaient à l'époque les histoires étaient ceux qui écrivaient l'histoire des guerres. Ils étaient spécialisés dans ça. Pour, justement, pouvoir les raconter plus tard, c'était des gens d'histoire et de kahani, comme on dit chez nous. Et troisième précision, les tyrans ont détourné l'histoire des guerres du Saint-Prophète pour légitimer leur guerre. Vous avez déjà entendu parler de Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. C'était un des gouverneurs à une époque de l'islam, à peu près à l'époque de notre cinquième imam. Hajjaj était quelqu'un d'extrêmement sanguinaire. Il avait soif de sang. Il a tué des centaines de milliers de personnes juste pour assouvir sa soif. Dès qu'il savait, par exemple, que cette personne a accueilli un chia chez lui, sous son toit, il le tuait. Dès qu'il savait que cette personne est un chiite, il le tuait. Dès qu'il avait un doute sur une personne, que cette personne-là aime Ali ibn Abi Talib et accepte Ali ibn Abi Talib comme calife du Saint-Prophète, il le tuait. Donc un jour, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi demande à quelqu'un quelle était la punition la plus grave qui a été infligée par le Saint-Prophète à un peuple. Donc, si on dit juste qu'il a tué le peuple, c'était pas assez pour Hajjaj. Il lui dit non, moi-même je vais te répondre. Il a dit il y avait un peuple qui était malade et qui sont entrés en guerre avec les habitants de Médina. Le prophète, pour riposter et pour les punir, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a coupé leurs bras et leurs jambes. Est-ce que c'est suffisant? Non, toujours pas. Pour Hajjaj, c'est très peu. Ensuite, il a pris un fer qui a été chauffé et il a transpercé les yeux de tout le peuple. Est-ce que c'était suffisant? Toujours pas. Il a coupé leur langue. Ensuite, il a jeté leur corps dans le désert. Donc, leur corps qui était encore vivant. Et ils sont morts de soif. Ou de n'importe comment, mais ils sont morts. Donc ça, c'est la version de Hajjaj. Pourtant, quand on regarde les textes historiques, jamais on va trouver ce genre de choses. Les textes historiques datant du Saint-Prophète. Mais pour le non-musulman qui va regarder l'histoire, justement, de l'islam, il va trouver ça. Et lui, il ne va pas se dire que Hajjaj est en train d'inventer des histoires juste pour légitimer, pour justifier ce que lui, il va faire plus tard. Lui, il regarde d'un point de vue neutre. Donc l'histoire contient ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut savoir distinguer les textes historiques qui sont acceptables et les textes historiques qui ne sont pas acceptables. Et concernant ce sujet, Tamned Jokrapé, si vous voulez, j'ai tout un sujet qui est prêt. Je ne sais pas si ça peut intéresser des personnes. C'est surtout pour les personnes qui font des études historiques, qui lisent des textes historiques. Quels sont les critères pour analyser un texte historique islamique ou un texte historique qui parle de l'islam et d'Ahlul Bayt en général? Quels sont les critères à utiliser? Quels sont les outils que nous avons entre nos mains pour analyser, pour accepter ou pour réfuter un texte historique islamique? C'est un très beau sujet, mais c'est un peu technique. Donc si vous le souhaitez, Inch'Allah, on va le faire. Enfin, une fois que nous avons ces précisions, nous pouvons maintenant répondre à notre question. Les guerres du Saint-Prophète étaient-elles offensives ou défensives ?
Quand on lit l'histoire correctement, toutes les guerres du saint prophète étaient défensives. Et ça, c'est un challenge de la part des savants à tous ceux qui en doutent. Ils leur disent, allez voir les textes historiques et analysez le contexte de chaque guerre et vous verrez que les guerres du saint prophète étaient toutes défensives. Donc, on va passer à des exemples. Quand on parle des guerres du saint prophète contre les Quraïchites, les Arabes de Mecca, l'exemple le plus connu, c'est la guerre de Badr. Et justement, ce soir, j'ai choisi de parler de ce sujet ce soir. Je l'ai oublié de préciser au début, et tant mieux, parce que maintenant j'ai un plus grand public. C'est que ce soir, 17 Ramzan, ou le jour du 17 Ramzan, c'était le jour où la guerre de Badr a eu lieu. Donc, quand on regarde l'histoire de Badr, il y a trois points principaux qu'on doit prendre en compte. Premièrement, tant que les musulmans étaient encore à Mecca, ils n'avaient pas encore émigré vers Médina, ils se faisaient persécuter jour et nuit, de sorte qu'ils ont dû s'enfuir et se réfugier dans le Shi'b Abi Talib, dans la caverne de Abi Talib. Et même là-bas, quand ils se sont réfugiés, ils ont été boycottés économiquement, de sorte que, comme vous le savez, on l'a déjà entendu, pendant 3 ans, ils n'avaient presque rien à manger. Quand une provision venait de l'extérieur, il la partageait, une très petite provision, il la partageait pendant des mois et des mois, justement, il la rationnait pour ne pas mourir de faim dans ce Shi'b Abi Talib. Et c'est dans cette même caverne, et c'était durant cette même époque à peu près, que Sayyida Khadija, salawatullahi wa salamu alayha, l'épouse préférée du saint prophète, la mère des croyants, est décédée. C'est à peu près dans cette même période aussi que Abu Talib, alayhi salatu wassalam, l'oncle du saint prophète, le père de l'imam Ali, est lui aussi décédé. Donc, tant qu'ils étaient à la Mecque, ils étaient persécutés jour et nuit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur avait demandé de patienter. Ils n'avaient pas le droit d'entrer en guerre. Ensuite, une fois que les musulmans ont fui la Mecque, on parle d'émigration, mais c'est surtout qu'ils ont fui la Mecque. Pour éviter ces persécutions, ils attendaient juste que le pacte soit signé avec les gens de Médina. Et ils ont pris, dès que le pacte a été signé, quelques jours après, tous les musulmans de Médina ont fui de Mecca ont fui vers Médina. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils avaient fui, ils sont sortis rapidement. Ils avaient laissé tous leurs biens, tout ce qu'ils possédaient à Mecca. Qu'est-ce qui s'est alors passé? Le prophète avait fait une demande officielle pour que ses biens leur soient envoyés. Bien sûr, la demande n'a jamais été reçue ou répondue par les gens de Mecca. Le prophète a ensuite su qu'un groupe de Mecca, des habitants de Mecca, sortait de la Mecque avec les biens qui appartenaient aux gens de Médina, aux musulmans de Médina. Donc, ces biens qui étaient volés. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces biens-là? Ils partaient les vendre à Cham. Donc là, un groupe de musulmans a pris d'assaut ce caravane qui partait vers Cham et a repris ce qui les appartenait à eux. Vous savez, dans les lois islamiques, si aujourd'hui, par exemple, je sais que mon téléphone est avec Farad ou avec Zamir et qu'il refuse de me le rendre. Dans la loi, après plusieurs critères et plusieurs étapes, bien sûr, je peux aller reprendre ce qui m'est dû sans lui demander l'autorisation. Et ce n'est pas un vol. J'ai récupéré ce qui m'appartient. Donc le groupe de musulmans est parti reprendre ce qui leur était dû. Les gens de Mecca sont revenus. Et là, ils n'ont pas supporté que les gens de Médina leur volent leurs biens qui n'étaient même pas leurs biens. Et c'est à partir de là que les Quraïchites ont organisé la guerre. Donc là, la guerre de Badr, on voit très bien, c'est une des plus grandes guerres et peut-être la première grande guerre, parce qu'il y a eu plusieurs petites guerres auparavant, mais c'est la première grande guerre de l'islam. On voit très bien que d'abord,
Il n'y a pas eu de provocation de la part de l'islam, de la part des musulmans. Ils n'ont fait que récupérer ce qui leur appartenait. Et ensuite, ce sont les Quraychites qui ont organisé la guerre et qui se sont ramenés avec leur armée vers Badr. Le deuxième exemple, ce sont les guerres contre les juifs. Quand le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médina, quand le saint prophète est arrivé à Médina, en entrant à Médina, il a signé un acte de paix. Je ne sais pas si je vais essayer de le retrouver. Je l'ai quelque part. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farhum wa al-adam. Ok. Non, j'ai... Voilà. Donc, arrivé à Médina, il a signé ce qu'on appelle Wathiqatul Madina, Sahifatul Madina, la constitution de Médina. La constitution dans laquelle le saint prophète précisait que les juifs et tous les croyants monothéistes et tous les habitants de Yathrib étaient une seule communauté. Ummatun wahid. Je ne sais pas si ça a été précisé. Ah voilà, au début. Donc, les émigrés Quraychides et de Yathrib, donc les habitants de Médina, toutes confessions confondues, et ceux qui les suivirent et luttèrent avec eux, forment une seule communauté à part. Qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou de n'importe quelle autre confession, le saint prophète a d'emblée précisé que toutes ces personnes-là qui habitent sous ce même pays sont une seule communauté. Ils se doivent de se défendre entre eux, et ils se doivent de contrer les attaques qui viennent de l'extérieur. Et concernant les juifs, il y a eu plusieurs points. Les juifs ne font qu'une communauté avec les croyants. Les juifs peuvent continuer de professer leur religion et la liberté de pratiquer leur religion est garantie, etc., etc. C'est sur Wikipédia, ça existe, et j'ai vérifié la traduction est correcte. Donc, la constitution de Médina a été signée par tous les habitants de la Mecque. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Une fois que le prophète s'est installé et que les juifs ont juré fidélité au saint prophète, ils ont juré de ne pas combattre le saint prophète et les musulmans, ces mêmes juifs sont sortis de Médina et informés à chaque minute les ennemis de Médina, les ennemis des musulmans, de ce que faisait le saint prophète, jusqu'à ce qu'ils aillent à constituer un groupuscule pour tuer le saint prophète parmi ces mêmes Médinois, ces mêmes juifs qui avaient signé ce pacte. Ils voulaient tuer le saint prophète, ils voulaient faire en sorte d'investir l'armée musulmane pour les tuer de l'intérieur. Le saint prophète, quand il a su cela, il a bien sûr commencé la guerre. Pourquoi? Parce que là-bas, ils avaient toutes les informations des armées. Les juifs qui étaient à l'extérieur, Khaybar, etc., ils avaient les informations concernant l'armée du Saint-Prophète. Ils étaient en train de comploter avec les habitants de Médina pour attaquer Médina. La plupart des guerres qui ont eu lieu, contre les juifs sont ce genre de guerre-là, à l'époque du Saint-Prophète, bien sûr. Donc là aussi, une fois de plus, on voit que ce n'est pas le Saint-Prophète qui a provoqué cette guerre. Le Saint-Prophète prônait la paix. Le Saint-Prophète prônait l'unité entre tous les habitants de Médina, qu'ils soient juifs, musulmans ou d'autres confessions. Mais eux-mêmes, ils ont trahi le Saint-Prophète. Ils ont cassé ce pacte et à partir de là, ils ont eux-mêmes provoqué les guerres. Et enfin, les guerres contre les chrétiens. Vous savez que quand le Saint-Prophète a mis en place son gouvernement à Médina, il a envoyé des lettres un peu partout aux autres souverains pour leur informer que nous avons maintenant un gouvernement et que je vous invite officiellement à l'islam. Vous vous souvenez que quand le messager du Saint-Prophète est arrivé au gouverneur ou au roi, je crois, de l'Empire byzantin de l'époque, de l'empereur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a non seulement déchiré la lettre que le Saint-Prophète lui avait envoyée, mais aussi il a tué le messager. Aujourd'hui,
En temps normal, à notre époque, si par exemple, Kojaland envoie un émissaire vers Superland, ok? Kojaland envoie un messager, un représentant vers Superland, et les gens de Superland tuent ce messager-là. Ça s'appelle une provocation de guerre. Si la France envoie un émissaire vers l'Iran et que l'Iran tue cet émissaire, c'est une provocation de guerre. Est-ce que le saint prophète est pour autant entré en guerre contre l'Empire byzantin? Non. Il a patienté, il n'a rien fait. C'était une provocation de guerre. Et si le prophète serait entré en guerre contre l'Empire byzantin, ce serait légitime et logique. Mais il n'a pas fait cela. Vers l'année 7 de l'Égir, le saint prophète a su que l'Empire byzantin, pour réduire les frontières de l'islam, pour réduire l'expansion de l'islam, a envoyé une grande armée composée de plusieurs centaines de milliers de personnes, et qu'ils étaient en route vers l'Empire musulman. Le saint prophète a alors préparé une armée, et c'était la guerre de Mu'tah. Lors de la guerre de Mu'tah, il a envoyé une armée pour défendre les frontières de l'islam. Et c'est durant cette guerre-là que le frère de l'imam Ali, Ja'far al-Tayyar, alayhi rahma, est décédé. Donc, maintenant que nous avons toutes ces informations-là, nous pouvons déduire que les guerres du Saint-Prophète étaient toutes défensives. Et je vous invite, et je m'invite moi-même, à relire l'histoire. Parce que, quelquefois, il y a plusieurs questionnements qui nous viennent de l'extérieur. Il y a plusieurs problématiques qui nous sont posées, mais qu'on n'arrive pas à répondre justement parce qu'on ne connaît pas l'histoire de notre religion, l'histoire de notre prophète. Donc je vous invite, et je m'invite moi-même, à relire l'histoire et l'histoire authentique. À relire l'histoire avec un point de vue critique par rapport à celui qui écrit l'histoire aussi. Ça aussi, c'était un sujet que j'ai abordé auparavant dans un autre djamat. C'était, est-ce que les textes historiques qui existent aujourd'hui et qui sont carrément pris comme des textes saints au sein de la communauté intellectuelle des Khoudja, par exemple Tabari. Tabari, on baisse la tête, mashallah. Première source historique énormément répandue en islam. Toute une étude sur Tabari montre que cette personne n'était pas digne de confiance. On peut dire ça, je ne veux pas vous spoiler. Peut-être cette année, on pourra faire un cours sur ce sujet ou à d'autres occasions. Bien sûr, je ne dis pas que tout est faux, mais il faut prendre chaque texte avec des pincettes et bien réfléchir et bien prendre en compte justement les critères à prendre en compte pour lire et analyser les textes historiques. Donc, lire l'histoire, connaître l'islam nous aidera non seulement à renforcer nos convictions à nous, mais aussi à répondre aux questions qui nous viennent de l'extérieur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet ? Ok, il nous reste 5 minutes. Y a-t-il des questions ? Est-ce que vous êtes convaincu? C'est important aussi, je prends 40-45 minutes. Mais est-ce que j'ai réussi à vous convaincre? Bien sûr, on ne peut pas citer toutes les guerres du Saint-Prophète, sinon ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mais c'était les exemples les plus flagrants. Et là où vraiment, par exemple, la guerre de Badr, c'est la guerre où on dit que non, ce sont les musulmans qui ont commencé. Ils ont pillé la caravane et les Mécois ont riposté. Et c'est la seule guerre vraiment sur laquelle on peut discuter des contextes si on ne connaît pas beaucoup l'histoire. Mais à part ça, toutes les autres guerres, majoritairement, c'est clair et net que c'était des guerres défensives. Inch'Allah, demain, c'est la nuit du 18 Ramadan. On va parler de la préparation pour les nuits du destin, c'est important. Que faire durant les nuits du destin? Qu'est-ce que les nuits du destin? Pourquoi est-ce qu'on a trois nuits de destin, 19, 21, 23, alors que dans le Coran, on ne parle que d'une seule nuit, Laylatul Qadr, une nuit. Inch'Allah, on va essayer d'aborder
ce sujet demain soir. Et pour les grandes nuits, 19, 21, 23, ça commencera à 19h30 et il n'y aura pas de cours, il n'y aura pas de dars à proprement parler. Ce sera une lecture simple du Dua Abu Hamza Thumali en français. Donc la nuit du 19, la nuit du 21 et la nuit du 23. Donc durant 30-35 minutes, on va lire la traduction de ce Dua qui est particulièrement recommandé durant les nuits du mois de Ramadan. Si vous n'avez aucune question, aqulu qawli hada. واستغفر الله لي ولكم صلوا على محمد وآل محمد